La Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais, intégrée à l'INSPE de Lille Hauts-de-France, composante de l'Université de Lille, a pour but de diffuser auprès des enseignants des premiers et seconds degrés les savoirs scientifiques de la recherche. Parmi toutes les actions mises en place par cette entité, découvrons le dispositif Partenaire scientifique pour la classe. Ce dispositif, il a été impulsé par la Fondation La Main à la Pâte et puis il a des déclinaisons locales. Donc par exemple à Lille, l'Université de Lille, la Maison pour la Science, l'ENSAM, en partenariat avec les acteurs de l'éducation nationale, eh bien, mettent en lien les enseignants avec des étudiants, des doctorants, pour diffuser les sciences et faire découvrir ce que c'est que le monde des chercheurs en fait. Un dispositif innovant qui permet aux étudiants de s'exercer à la vulgarisation scientifique. J'ai toujours aimé l'idée de pouvoir vulgariser ce qu'on fait en sciences. C'était des élèves de CM2, c'était assez agité, mais ils étaient très accueillants et très demandeurs. L'enseignante m'a donné carte blanche. J'ai vraiment pu créer l'atelier qui me convenait le mieux. Je leur ai fait faire des petites expériences qu'ils peuvent refaire à la maison avec leurs parents. C'est un aspect du métier de chercheur qui est assez oublié au final, c'est le fait de pouvoir communiquer sur nos recherches et faire comprendre à la société justement les sujets et les thématiques sur lesquelles on travaille. Une initiative qui infuse la science dans nos chères petites têtes blondes pour parfois créer des vocations. J'ai toujours entendu parler de ce dispositif et des élèves de l'ENSAM qui étaient venus de mon école maternelle. J'avais un cahier avec des photos et de ce que j'avais fait pendant cet atelier. Donc moi, ça m'a plu l'idée de pouvoir vulgariser et d'initier des élèves. Notre projet, c'était de concevoir une voiture qui pouvait descendre une pente, aller le plus loin possible avec les élèves. Les élèves, ils sont impressionnés parce qu'on est une grande personne et donc ils sont vachement à l'écoute. La séance d'après, ils se souviennent de quelques mots de vocabulaire et c'est vachement gratifiant parce qu'on voit qu'ils ont compris. Un partenariat qui permet d'aborder la science différemment, un atout certain pour les enseignants des écoles bénéficiaires. Les élèves ingénieurs ont des connaissances scientifiques qui sont complémentaires de notre manière d'envisager la classe. Leur intervention est en complément en fait, de notre manière de fonctionner dans la classe, avec leurs apports scientifiques et leurs connaissances. Et les enfants sont vraiment confrontés à des situations de mise en recherche. Donc ça, c'est vraiment important pour eux.